Ça, on le voit bon, durant la correction des examens nationaux au fil des années. Avant de commencer, je tiens à remercier notre collègue du lycée, M. Cyril Tragic, le caméraman, et le technicien du lycée. C'est l'intendant du lycée. Et on le remercie avec son engagement avec tous les professeurs qui ont la volonté, qui ont présenté la volonté pour enregistrer des cours pour nous aider. Maintenant, on va commencer alors. Donc, tout ce qui suit, ça va être le CIRI, le cours. Donc, tout ce qui suit, le plan, qui a apporté un repère ordonné direct. Direct. Donc, on va revenir à la définition thermologique du produit
fiscale. D'autre part, on a. Donc, le problème scalaire E1, ce n'est que la norme de OM que multiplie la norme du vecteur E1, que multiplie cosinus de l'angle orienté des deux vecteurs E1, OM. D'accord ? De l'angle. Bon, si on s'appelle, on est bien posé que le R, c'est, dans le petit R, c'est OM, c'est encore la norme de du vecteur OM. Donc, qui est égal à R, d'accord ? La norme de 1, c'est 1, avec I, c'est un vecteur romain, et le cosinus de la mesure du nombre de 1 même, ce n'est que le cosinus. Theta. Là, c'est cosinus theta. Maintenant, je vais passer là en haut pour continuer. Donc, on a obtenu la première relation, c'est que en identifiant ces deux égalités, on obtient bien. Donc, on obtient. X est égal à R cosinus theta. De la même manière, en adoptant la notion du produit scalaire, on va essayer de démontrer que Y, ce n'est que R sinus theta. De la même manière, là, on a même égal à X de R plus Y. E2, donc, on a le OM scalaire E2 va être égal à X E1 plus Y E2 scalaire E2. Bien sûr, en se basant sur les propriétés du produit scalaire, on va obtenir la série X, E1, scalaire, E2, plus Y, E2, scalaire, E2. Là, je vais passer directement, c'est la même chose, c'est la norme de E2 carré, donc c'est 1. Là, le repère est en ordre, donc les vecteurs E1 et E2 sont en ordre. Donc, ça c'est 0, et ça c'est R, c'est Y. Donc, le premier résultat qu'on a obtenu, c'est OM scalaire de 2 est égal à Y. Donc, je vais noter la première conclusion comme là. Donc, le OM scalaire E2, c'est Y. Là, ça d'une part, D'autre part, et en revenant à la définition d'autre part, en revenant à la définition trigonométrique, on a le OM scalaire E2, ce n'est que la norme du vecteur OM que multiplie la norme du vecteur E2 cosinus de l'angle OM à la mesure de l'angle OM E2. Donc là, ça c'est R. La norme de 2 c'est R. Là, c'est R cosinus OM E2
ou les hommes. On mesure exactement des hommes. Là, on a bien la mesure de l'angle OM, E2, le lien convenu à la mesure de l'angle OM, EM, plus EM, E2, modulo 2π. Bah, c'est la mesure de l'angle quand le vecteur est en ordonnée. Donc, la mesure de l'angle E1, E2, c'est π sur 2. Et là, on passe aux propriétés sur les mesures des angles. Lorsqu'on inverse, on change l'ordre, on va écrire un signe moins là, quand elle a la moins EM, OM. Et la mesure, l'angle plus π sur 2, modulo 2π. Et dans les oreilles, on avait posé que c'est pas comme mesure de l'angle π mesure de l'angle EM, OM. Donc, ça va être congru à π sur 2 moins θ. Après, je vais passer le couple
rappeler que le malware écrit au départ le couple XY comme couple de coordonnées du point M. Là, on aura c'est X. Et là, le Y.